traditionnel. De par mes études, j'ai enseigné la technique pour faire des vrais bijoux comme chez Cartier ou Chanel, etc. Mais moi, je fais des bijoux politiquement incorrects dans le sens où on ne les vendrait pas dans une bijouterie classique. Parce que il y a des messages, il y a des y a de l'argot, parce que c'est des flingues, parce que quoi comme par exemple comme argot comme taspé, biatch, crâne, enfin crâne c'est pas de l'argot mais voilà des espèces de petites insultes un peu gentilles, franchement un peu choc, le genre de bijoux que t'offrirais pas à ta mère. Ouais. Tout ça m'est venu parce que moi ça me fait rigoler et que à la base j'ai fait des bijoux pour moi, et toutes ces créations c'était au début pour moi parce que ça me fait marrer que j'aurais bien aimé avoir des trucs à faire. Voilà. Comme celui que tu portes, non? Le flingue. Ouais, celui-là, je l'avais fait pour moi, et comme j'étais serveuse et que tout le temps les gens me disaient, mais il est génial, tu l'as acheté où, etc. Mais après, je me suis dit, je vais en faire d'autres. Maintenant, plus ça va, plus les gens ont la démarche de se dire, j'ai envie d'offrir un bijou, mais c'est encore plus sympa si c'est fabriqué par un petit artisan que je connais, ou parce que maintenant, il y a tellement de bijoux fantasy dans tous les sens et de toutes sortes que. On revient un peu à la tradition, ouais. Je pense. Du bijou avec une insulte, il y en a eu d'autres. Mais je crois que moi, mon originalité, elle est dans la subtilité des mots que j'ai trouvés. C'est pas connasse ou ouais. Je sais pas quoi, c'est crâneuse. Ouais. Et c'est tout ce genre de mots qu'on n'emploie pas toujours. La fabrication de la bague ou de l'objet, elle est assez rapide. Ça peut être dans les 1 heure à 4 heures, 5 heures, ça dépend de la cour. Enfin, la petite bague à message toute simple, c'est vraiment 1 heure. Et après, il y a l'étape du polissage, c'est-à-dire rendre le bijou bien brillant et ça prend beaucoup de temps. Prochaine étape, c'est un site qui s'appelle Artbay et qui est un site de créateurs et donc qui met vachement en valeur le créateur et ses créations. Il y a des pages. Et tu pourras acheter tes bijoux. Et voilà. Donc c'est super pour deux choses parce que c'est voilà, on met en valeur le créateur et que c'est un site marchand et que les gens peuvent acheter directement.